Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube I Stampin' You. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album rapide à faire parce qu'il ne nécessite que deux feuilles A4. Donc peu de matériel pour un résultat plutôt sympa. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez ensuite. Alors voilà, donc il se présente comme ceci. Donc j'ai fait une couverture assez simple. Sans trop de volume parce que en fait ce mini-album va aller dans mon sac. J'ai choisi quelques photos de cette année et de l'année dernière de ma petite famille que j'aime beaucoup. Ces photos, bah voilà, elles sont des petits moments privilégiés entre nous et donc du coup j'avais envie de les garder avec moi. Et d'où ce petit album que j'ai fabriqué aujourd'hui. Voilà, alors je vous le présente, je vais l'ouvrir. Alors, tout simplement un ruban pour la fermeture. Alors, normalement, il se met même comme ça. Voilà, je vous présente dans le bon sens, c'est mieux. Donc, en fait, c'est un album avec un rabat ici. On a deux pochettes pour glisser. Donc, moi, j'ai glissé des petites photos, mais ça pourrait être des petits tags, des petits messages, des petites choses autres. Ici, en fait, c'est une enveloppe que j'ai faite à la dimension dont j'avais besoin et dans laquelle j'ai mis un petit livret comme ceci. Et ensuite, on peut soulever et on a encore deux photos. Donc voilà, le système est assez simple à monter. Vous allez voir, on va le montrer. Enfin, je vais vous montrer ça en direct avec mes mesures. Et tout pour faire pouvoir le refaire vous-même. Je vais le laisser ici. Alors, au tout départ, vous aurez besoin d'une feuille A4. Donc, ma feuille A4 fait 21 cm de façon classique. Et j'ai enlevé 1 cm, donc je ne garde que 28,7 cm ici, dans ce sens. Ensuite, tout simplement, vous allez faire un pli à 8,5, 9, 18,5, 19. Donc j'ai volontairement laissé donc une petite marge ici pour le volume, pour aider à la fermeture. Vous voyez, comme on va mettre un petit peu de photos et vous pouvez en rajouter même plus que moi je ne l'ai fait, on peut avoir un petit peu de volume, ça ferme du coup très très bien quand même. Voilà, on a une fermeture propre, nette de chaque côté. Donc une fois que vous avez fait les plis dans ce sens, vous allez retourner votre feuille. Et faire un pli ici à 14,5 cm tout le long de la feuille. Voilà. Vous allez vider le centre, les petits rebords compris, pour ne garder que ce qui va nous servir de faire deux petites pochettes, comme ici. Voilà. On a quelque chose comme ça quand on a terminé. Dans un autre papier, j'ai utilisé l'Insta Enveloppe. Donc je suis partie d'une feuille qui faisait 19,1 par 19,1 cm. Et j'ai obtenu cette enveloppe. Cette enveloppe, en fait, va venir se mettre ici. Alors vous pouvez laisser le rabat si vous avez envie de l'habiller, de mettre une autre photo, de mettre des petits mots. Moi, j'ai coupé le rabat ici et j'ai coupé ici de façon à avoir quelque chose de net, mais pour pas avoir la pointe qui dépasse de dessous ma photo. Ici, voilà. Donc, mais là, vous pouvez la laisser tout à fait telle que. Il n'y a aucun souci. Même avec la fermeture, ça ne gênera pas du tout la pochette, le rabat. Tout se fermera très bien. Donc, ça peut être une petite cache supplémentaire. Et alors, pour fixer l'enveloppe, j'ai fait le plus simplement du monde. J'ai pris un morceau de papier de 14 cm et demi. Donc les 14 que j'ai là en hauteur, et 2 cm. J'ai fait un pli à la moitié. Et en fait, on va venir fixer l'enveloppe de cette façon-là, simplement avec du double face, et vous aurez une enveloppe qui s'ouvre de cette façon-là. Donc comme ça, vous pouvez récupérer le dos de l'enveloppe, et vous pouvez avoir quelque chose dessous pour décorer. La dernière chose pour faire ce mini-album qui est importante à savoir, c'est au niveau du ruban. Vu que je ferme ici de cette façon-là, je n'ai pas besoin de mettre du ruban partout au dos de mon mini-album.
Donc, je vous ai fait le dessin ici. Voilà. Lorsque vous retournez votre feuille, vous n'avez besoin de mettre du ruban qu'à partir d'ici, jusque-là. Comme c'est ici. Sur cette partie-là. Alors, il y a la distance du ruban, mais il n'est pas collé. Voilà. On a besoin de le coller simplement sur ces deux bandes ici. Voilà. Donc ensuite, à vous de fermer votre album. Donc comme vous le voulez, on pourrait le faire comme ceci. Moi, je voulais le fermer comme ceci pour laisser place un petit peu à la citation que j'ai trouvée très sympa de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de tableau plus charmant que celui de la famille. Et ma petite famille, je l'adore. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations concernant ce mini-album et sa réalisation, surtout n'hésitez pas à me trouver. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est le matériel que j'ai utilisé. Alors, pour faire ce mini-album, donc j'ai utilisé du papier noir, nu, de Stampin' Up, auquel j'ai associé en fait le papier design de tout mon cœur, qui est en vente actuellement dans le catalogue printemps-été. Alors, je peux vous le montrer ici, un petit peu. Mais vous allez voir que comme j'ai beaucoup utilisé les pages, il y a plein de petits morceaux, mais franchement, ce papier est très très beau. J'ai d'ailleurs un autre album en cours. Avec ce papier, donc il y a vraiment possibilité de faire des trucs très très sympas. Donc ça c'est le papier que j'ai utilisé, vraiment c'était mon coup de cœur du catalogue. Vraiment, alors je suis pas forcément rose, fleur, j'aime pas forcément le côté gnangnan de la Saint-Valentin par exemple, mais par contre j'aime beaucoup ce papier. Franchement ce motif là et ce motif là sont les deux que je préfère, donc c'est les deux que j'ai mis en avant dans le mini album. Parce que vraiment, c'était mes coups de cœur. Ensuite, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait, il est passe-partout. Donc voilà. Et concernant tout ce qui est décoration, je me suis servi du set de tampons et des dies. C'était écrit qui sont ici. Donc, c'était écrit. Donc, c'est un lot avec des cœurs qui sont très très sympas, qui sont évidés. Vraiment qu'on a vraiment un travail fin. On voit vraiment que c'est très très fin au niveau des détails. Donc ce cœur là par exemple, je l'ai tamponné là, derrière ma photo. Regardez, il est vraiment très très joli. Ensuite, je me suis servi également des découpes qui sont associées. Donc vous pouvez voir que j'ai utilisé un des cœurs ici pour pouvoir évider. Pour évider, voilà, j'ai évidé un cœur à l'intérieur. J'ai gardé ce côté surpiqué que j'aime beaucoup. Également quelque chose qui est très très sympa, alors ça a fait un carton, vraiment on voit des cœurs un petit peu partout en ce moment, c'est cette petite banderole ici que j'ai recoupée parce qu'elle était un petit peu longue, mais on peut tout à fait couper entre les cœurs, il n'y a aucun souci. Et moi j'aime beaucoup, c'est la petite arabesque qui est là, je l'ai mis également à l'avant, mis un petit peu en valeur pour la souligner. Je trouve vraiment ça très joli. Ensuite, la fleur que j'ai ajoutée ici, voilà. Et également la petite astuce pour le tamponnage. Donc j'ai pris le cœur qui était là et en fait j'ai tamponné, j'ai ancré une seule fois mon tampon et je suis venue le tamponner 4 fois de suite. Donc en fait il s'estompe tout seul et on a cet effet de dégradé qui est, moi je trouve très sympa, et ce petit cœur est vraiment très mignon. Donc voilà voilà. Comme ça, en même temps, je vous ai présenté ma petite famille. Voilà. Et puis là, il me restait une place. Alors, c'était soit je remettais une photo, soit j'avais envie d'un petit texte. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les citations. J'aime beaucoup aller voir de temps en temps, quand j'ai un petit moment, je vais voir des citations sur différents thèmes par rapport à mon scrap, notamment. Et je me suis dit, allez, une petite note personnelle et une petite touche à la main, volontairement, justement, parce que voilà, c'est ma petite famille et c'est moi qui fais le petit album avec nos photos. Donc voilà, c'était le petit coup de cœur. Voilà. Alors, ensuite, il ne vous reste qu'à fermer votre mini-album lorsque vous l'aurez fait. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Je suis toujours super contente de voir ce que vous faites avec les tutos que je propose. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de matériel Stampin' Up également, je suis à votre disposition pour vous les faire livrer partout en France.
sans aucun souci, directement chez vous. Donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur ma page iStampinYou sur Facebook.